Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Xenfant pour un nouvel épisode de Surviving After the Math. The Aftermath, excusez-moi. Dans le bon ordre des choses. On tabasse des gens, hein. Vraiment, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait de mieux d'ailleurs. Recyclage à 3, alors recyclage à 1 parce que c'est en bois. Vas-y meuf, au boulot. Donc toi gros. Oh! Strike! Strike. Bon, les médicaments, là, je commence vraiment à en avoir beaucoup, quoi. Quand t'as plus de médicaments que de béton ou de ferraille, puisque c'est mon cas. Plus de. J'ai trois plaques de tôle, là. On va pas loin. Allez, finis-le. Finis-le. Franchement, j'y crois à mort. Franchement, tout le monde veut croire en toi. Bah, ça y est, c'est fait. Bien joué, ma gueule. Bien joué, ma petite gueule. On va pouvoir manger du bœuf. Grâce à toi. Pourquoi elle a 90 PV? Qu'est-ce qui se passe? Non, t'as 30 PV. Ah oui, parce qu'on est encore sur l'ancien là. Ok. Toi, t'as toute ta vie a été récupérée. Il n'y a pas de bâtiment de science donc pour l'instant dans le coin, donc qui justifie pas ton déplacement. Rien ne justifie que tu te déplaces pour l'instant, donc si à la limite on peut t'envoyer par là, commencer à éclairer cette zone. Voilà, à la limite, tu fais un truc comme ça, on est déjà bien. Ah, et meuf de la récupération, The Meuf. The Meuf qui récupère tout. Tout le temps, partout. Tu ailles. Ça, bon, elle récupère tellement pas vite. À part 7. Oh là. Alors, Thomas s'est irradié. Bah, c'est super. Hein. On est content pour lui. Hein. On est super content pour lui. Hein. Vague de chaleur en approche. Alors, vague de chaleur en approche. Je n'ai que. Je consomme 19, je produis 24. Au secours! Un autre puits, tout de suite. Et tout de suite, un autre puits. Et quand je dis un autre puits, je devrais même en bourrer dehors. Mais disons, allons-y. Hein. Disons tout de suite un autre puits, quoi. Même s'il est vrai que... Je pourrais tout à fait aller te caler un petit puits, hein, juste derrière, là, comme ça. Paf, tout kawaii, t'as vu. Hop là. Avec un petit bout de route pavé qui y va tranquillement. Joli. En parlant de route pavée très jolie. Voilà. Tac. Non, c'est pas ça. Oh, putain. Je peux pas les enlever en plus, c'est ça qui me tue. Je vais annuler ta construction. Je vais annuler ta construction. Et vous allez d'abord me faire les puits. Voyez-vous. Matériaux insuffisants pour puits. Qu'est-ce qui te manque? Planche de bois. Tu te payes ma tête là? C'est ce qu'il faut. J'ai du bois, arrêtez de ma tête aussi. Explique un plastoc. Non, on est bon, il y a du bois, qu'est-ce que tu veux? Arrêtez de nous emmerder là. On reste plus, chez vous. D'ailleurs, il y a tout de suite autre chose que j'aimerais vous lancer en construction. Si je pense que c'est un petit peu too late. Parce que le problème, c'est que plus t'as de population qui boit, plus quand t'es pas prêt, plus tu vas siphonner ta réserve. Après là je commence à avoir une réserve qui est en vrai assez agréable. Alors attendez, il y avait quelqu'un au portail avant. Ouais, sinon je vais l'oublier. Elle me donne des médicaments si je donne des fibres. Des fibres, on est d'accord que c'est ça les fibres. Hein. Non, c'est ça les fibres. Ok, ou des pièces détachées. J'ai pas beaucoup de pièces détachées, j'ai pas mal de fibres, je peux te lâcher de la fibre. Pharmacienne.
Ok, oh, c'était cool. J'ai trop de médoc, au secours. J'ai trop de médoc. Faut faire quelque chose, hein. Faut faire. Vraiment. Faut s'intéresser au truc, hein, au secours. Donc. On est sur quelqu'un qui a toute sa vie, toute sa pêche de vie. Et là, si je quitte là-bas. Ouais, pourquoi tu. Ils veulent aller dans ce sens-là, ils acceptent. Dans l'autre sens, non. Point d'action, ouais. Ouais, on est ici. On est ici. J'aurais dû couper le tout. Mais. Meuf, t'es buggé ou ça se passe comment? Merci. Mais lui, il a pas toute sa vie, pourquoi je l'ai renvoyé? Et 600, ok. Oui, c'est juste à chaque fois le temps que ça switch, t'as rien à voir. Des médocs. Et après ça, des médocs. Et après ça, ce que je vous propose, c'est des médocs. Et il y en a encore 13. Mais je vais passer ma vie à retirer des trucs ici. C'est incroyable. C'est un peu ultra dangereux. On aime le danger. Ah, 0 sur 100. Décédé, merci d'avoir joué. Bon bah c'est bien, ça réduit mes effectifs, c'est pas une mauvaise chose. Oui, clairement. Clairement, le mec s'en fout. Non, ça réduit mes effectifs. Il y en a trop à la fin, c'est chiant. Vas-y, fonce là-dedans. En tout cas, quand c'est dans G3, tu prends masse dégâts. Y'a pas à discuter. Y'a plus rien ici, ok, ça c'est top. Checker d'abord. Un avion avec moult dangers. Ah. Ah oui, il y a lui là-haut. Vas-y, continue de te friter. Hein. Nous, on y croit à mort. Hein. On te regarde. Ah bah ça y est, là oui. Bah GG. Bah GG, ma gueule. Et il a trouvé une planque avec des fringues. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Quittons d'ailleurs la carte du monde. Construction du puits. Terminé, ça c'est parfait. Ok. Ah oui, les récoltes vont tomber capot direct. Hein. C'est plus. Des survivants cherchent un abri. Welcome on board. Hein. Bien sûr, ramenez-vous. Ramenez-vous, ramenez-vous. Des colons sont blessés, n'ont pas de maison. Ah. Recyclons ce truc-là. Pause qu'on ne perde pas trop de temps non plus. Voilà. Le net plus ultra de l'habitation. C'est parti. Je crois qu'ils sont directement là-dessus. En nous, on est comment? 48-48. Le chiffre parfait. À la goutte d'eau près, comme on dit dans le milieu. Ouais, parce que c'est tout truc là la limite. Moi j'ai besoin de ferraille pour ça. Ouais, j'en ai besoin de masse. Annuler la construction de ce truc. Annuler la construction de ce truc. J'ai assez de réserve, tout tient. Ah oui, il faut que je produise de l'électricité pour ça. Juste un petit panel solaire comme ça. Tout petit, tout qui les kawaii. Ça à côté du cratère, dans le cratère, pas d'embrouille, soit dans un cratère, très bien. Oui, passionnant votre combat, les mecs. Ensuite. On a toi. Toi, t'as de la tôle. Je pourrais te ramener d'ailleurs à la maison. Ça nous permettrait de fabriquer assez rapidement notre l'abri dont on a besoin.
comme en termes de danger 3, là j'ai pas envie d'en avoir un autre qui crève avec plein de ressources sur le dos. On va envoyer tranquillement à la maison, déposer ce que t'as et après on voit quoi. Après on avise. T'as la pêche, t'as la pêche, t'as la chasse, t'as la tradition. C'est parti. Ensuite, toi tu vas peut-être enfin pouvoir rentrer à 6 coudes. Au bois malade. Les malades, le bois. Ah, t'as trop recyclé, ah bah vas-y. Ah, vas-y, ma gueule. Te gêne-toi pas. Ah, du coup, ici, y a plus rien. Ah, ça va buter un gars et le site est vide. Mais ça se fout de ma gueule. Et la petite dernière. Qui trimballe presque rien sur elle, comme d'habitude. Allez, c'est vide. Enfin. Enfin. Presque envie de faire demi-tour, lui taper sur la tronche et puis ramener les outils direct maison quoi. On verra bien. Récupération de tôle du coup, ouais c'est un peu tout n'importe qui j'ai l'impression. Un groupe de colons. Oups là, en descendant la rivière, un groupe de colons se pose des questions à propos d'une rivière à proximité. Ils aimeraient la descendre en bateau, ils ont construit un simple radeau et souhaiteraient tester sa capacité à flotter, en plus d'explorer les berges en cours d'eau. Allez-y, allez vous casser de pattes. Quand le groupe finit par rentrer, ils reviennent les mains vides, le radeau a coulé à mi-parcours et les colons n'ont pas réussi à sauver leur équipement. Après avoir entendu des voix dans les bois alentours, les colons ont décidé de fuir au lieu de plonger pour récupérer le radeau. Yes, ah, le courage, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais, masse colons n'ont plus de maison, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un problème ça. Et parce que je suis en train de me dire qu'en fait c'est bien, j'ai lancé la construction de ce machin, mais est-ce que... Ah, tu me bouffes de la ferraille quoi. Ouais. Ça sera en priorité basse. Et puis toi en élevé, parce que de toute façon, le peu de ferraille que j'ai ne fait pas la diff. Hein, la différence, il faudrait de les plus. C'est quoi ça? C'est du plastoc. C'est pas ça que... Tout ce qu'on veut, c'est du métal. Ça c'est du métal, métal. Vague de chaleur est là, les experts sont prêts, l'arbre des technologies. Le tas est vidé, ok. Donc y'a plus rien ou juste un petit tas de teuf qui est là. J'aimerais voir un totem. Voyons encore. Voyons encore. Toi aussi y'a encore. Non, certes, il n'y a plus de maison, mais ça peut patienter. Et comme bandit, oui, nos jus. Nos jus de ce qui se fait. Du bois gratos, sans personne. C'est bon. Ça, c'est bon, ça. Oui, c'est bon, on a compris. Il y avait des bandits. Finalement, on a décidé de découvrir le jeu tout seul comme un. Frappe-le un peu pour voir. Ah, les vrais combats, quoi. Les vrais, hein. Ah, le petit kick là, petit kick dans le genou là. Ah t'as pas aimé hein. Ah t'as pas aimé hein. 4 sur 10, t'as quand même rincé plus de la moitié, c'est pas mal. Ouais bah récupère en 4 hein. Ouais. Vraie bagarre, vrai baston. Ah il a direct. Ah non, rétamé. Bon bah ok. Et toi tu fais un retour QG avec toute ta ferraille. Ah direct. Oula, oula, toi, le petit coup de genou dans la bouche. Oh les mecs ils rigolent pas. Oh les mecs ils rigolent pas. Plusieurs tas ont été vidés. C'est que l'on manque de maison, oui, ça d'accord, ok, plusieurs tas ont été vidés, par contre c'est toujours embêtant. Ah, c'est bon, t'as encore ton tas, le tas. T'as plus de tas. Alors à chaque fois je me dis, il y a un buisson proche et à chaque fois j'oublie de le prendre, voilà, buisson proche. Ouais, t'as toujours ce qu'il te faut, toi. Ouais, toi t'as du boulot.
Il y a un petit groupe au portail. Vas-y. Voilà, un groupe d'individus en rayon se dirige lentement vers le portail. Leurs vêtements sont sales et déchirés et on devine des traces de sang séché. L'un des individus vous supplie, notre caravane a été réduite en pièces par des salauds. Salauds de bandits. Et nous n'avons nulle part où aller. Pouvez-vous nous aider? Nous donnerions tout ce qu'il nous reste pour des médicaments ou un abri. Allez. 5 patates, 5 outils, 4 colons. Bah j'ai tout gagné. Bon, à part que les mecs sont blessés, quoi. Mais bon, ça, j'ai envie de te dire, c'est notre quotidien, gros. Voilà, regarde, on soigne les gens ultra vite, en plus. Par contre, si vous pouviez, genre, faire cette baraque, voilà, ultra vite, aussi, ça serait pas mal. Ah, ça, vraiment, ça commencerait à devenir très intéressant. Des gens sont blessés, des gens sont malades, les experts sont prêts. Alors, allons chercher les experts à Manhattan, parce qu'il y en a qui vont nous ramener du métal, donc, quand même, faisons pas trop les cons avec eux. Putain, il y a masse vêtements, hein. C'est confort. Paf, 52 de métal, donc là on est bien. Vas-y, vous commencez à chercher. Putain, il n'y a que 4 par 4. Oh la misère. La misère. Ah, le truc où t'arrives jamais, quoi. Allez, 4 par 4. Ah, tout ce qui est médicament, tu le récupères. Mais... mini quantité par mini quantité, quoi. Vas-y, arrête à moi ça. Trouve-lui des patates là. Voilà, c'est bon ça. C'est ça qu'ils veulent voir les gens. Ils veulent te voir mettre des patates. Ouais, va chercher un peu de bois. Ouais. Là par contre, paf, 32 sur 43. Allez, easy la life. Très bien. Des tas sont vidés, 10 colons n'ont pas de maison, au secours, recyclage des bâtiments, oui oui. Oui oui moi aussi. Ah mais il y en a encore plein qui n'ont pas de maison, alors stop. Voilà, on va passer aux choses sérieuses, maison de 2 étages, hop là. Voilà. Ça là vous avez tout le temps de le faire. Par contre du coup je sais qu'on a cette ferraille maintenant pour avoir le petit panel solaire. Hein. Ah j'ai réussi à gratter. Ah c'est parce qu'il y a les. Du coup il y a les petites technologies à la place et tout. Solaire ici, à côté des citernes d'eau. D'ailleurs, côté des petites citernes d'eau, certes, mais ça me fait penser qu'il nous manquait une citerne quand même. Merde. Flûte, voulais-je dire. Mais c'est ce que vous aviez entendu de toute façon. Donc ne m'embêtez pour. Pause. Je vois trop de choses qui s'agitent dans tous les sens. On détend cette route. On fait le petit tour de route qui va bien. Voilà, c'est très bien. On a ce petit centre là qui va arriver. À côté, il va nous falloir une école que j'ai toujours pas posée, donc je vais la reposer. Inutile de leur laisser une place. Voilà. Là, normalement, on a pas mal de ferraille. Et il faut que j'y pense parce qu'au bout d'un moment, je vais nous mettre dedans à ne pas vouloir le faire. Le camp de bûcheron. Le camp de bûcheron. Ah ouais, en vrai, là, ici, il y a du web. Hein. Ouais, ici, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Ici, j'ai mon petit bout de web. Pour l'instant, camp de bûcheron. On verra pour reforester ou déforester en fonction d'eux. 4 colons n'ont pas de maison, évidemment. Alors, évidemment, ça c'est la priorité absolue. Voilà, c'est élevé comme priorité. On commence par toi. Je veux que tu viennes là. Tu fouilles le reste là, puisque tu as assez de points d'action pour tout prendre. Parfait. Ensuite, toi. C'est de la recherche. Autant dire, le mec il est perdu. Hein. Quoi? Faut faire quoi? C'est dangereux. Ouais, je sais que t'es là. Mais tu vas quand même me prendre le dernier.
T'es à 100, t'as 5 en recherche, allez vas-y, bah c'est pour toi, tu nous fais un petit rush par là. Oula, d'accord, c'est loin par contre pour toi. Visiblement demain c'est loin. Sud mec qui cogne, c'est toujours pratique. Ou inversement, j'aurais peut-être pu t'envoyer plutôt dans l'autre sens, à la limite. Ok, pas d'explosion, pas de problème. Et bah vas-y, ça. C'est pas non plus un génie en science et ça serait bien que je lui colle un scientifique derrière lui. Trois vêtements. On est bien. On est bien, on est bien. Ça bosse dur. Ah, ça bosse dur. J'ai mis la priorité, je crois, sur un bâtiment. Ouais, sur toi. Le drôle de menace se trouve au portail. Qu'est-ce que c'est? Docteur Magie. Maggie, je ne sais pas. Un drôle d'individu s'approche de vous, la main tendue pour vous saluer. Bonjour, bonjour, c'est moi, je suis revenu, dit-il. Enfin, je crois, je suis vraiment déjà venu ici. Bon, c'est pas grave, je suis le docteur Magie, pour vous servir, annonce-t-il. Je peux soigner toutes vos maladies grâce à une simple formule brevetée que j'ai confectionnée grâce à la science et la magie. Il prétend qu'il peut soigner tous vos colons instantanément et gratuitement. Ça peut pas faire de mal, enfin espérons-le, laissons les colons se faire soigner. Ça sent les emmerdes. Hein. Un colon malade à cause des radiations, un colon empoisonné, un colon infecté. On boit d'un trait la potion à l'odeur pestilentielle, bah super. C'est très rigolo. C'était très rigolo. Heureusement que c'était ultra gratos. Hein. Ah, t'es déjà retapé. Ok. Bon bah si t'es déjà retapé. T'as déjà par là. Hein. Par exemple. Hein. 5 colons n'ont pas de. Ah oui, parce que oui, on fait toujours ce truc là. Il bosse, hein. Du coup, il bosse en boucle. La petite infirmerie, ça transpire, hein. Ça sue. À quoi il ressemble cette. C'est un mémorial de quoi? Un mémorial du. Statue des pionniers. Ouais, on en tient un truc là. Ah, il faut décorer autour. Il faut impérativement décorer autour. Moi, je pense qu'on se cale un petit brazéral. Même plusieurs. C'est raide. Hein. Dès qu'il faut poser un truc, c'est raide comme dans. C'est compliqué, hein. Ça veut pas trop arquer. Ok, très bien, c'est fait. Ouais, à la limite, va jusque lui commencer à taper dessus. Hein. Voilà, comme ça, on gagne du temps. Voilà. Juste tant qu'à revenir à la maison, t'en prendre quelques beignes. Tu nous feras gagner un peu de temps. Attends, elle a combien? Elle a 4 en recyclage, c'est ça? Non, elle a 3. T'as 3 aussi. Oui. Non, mais toi, t'es nul en récup. Toi, touche à rien. Va jouer avec tes doigts ailleurs. Va les mettre dans la bouche de quelqu'un, tes doigts là. Voilà, bah, tiens, on a trouvé quelqu'un à qui tu veux pouvoir lui mettre dans la bouche. Tiens. Va t'occuper un peu. Un scientifique, certes. Et toi, oui, j'avais dit en fait, finalement, t'es scientifique, monte avec l'autre là-haut. Bon. C'est pas grave. Non, bah, toi, la vie de récupération de médicaments, c'est une passion. Hein. Ah, ça va exploser. Boum. Tes dégâts. C'est pas grave, t'as récupéré, c'est ce qui compte. Et il nous manque justement, voilà, toi. Yep. Ouais, je voudrais que tu viennes là à la limite. Parti un peu loin, c'est pas grave. Les trois derniers fringues. Ça ira très bien, c'est parfait.
Ok, 5 colons n'ont toujours pas de maison. Ah, il nous faut des maisons, hein, ça urge. Hein. Ah oui, mais parce qu'ils sont en train de me foutre des ressources partout, c'est ça? Comme je les connais. Hein. Je les connais bien. Je connais bien à quel point c'est des mongolos. Je sais, on a bien compris. Sinon... Recyclez-moi ça. Ouais, je trouve aussi cassez-vous. De divertissement. Ah bah on a trouvé des boîtes de divertissement. On a 9 colons à la rue maintenant. Je peux pas faire mieux. On est toujours plus dehors, je peux pas faire... Et je peux pas faire des miracles. Déplacer la zone de recyclage, d'accord, oui, certes. Oula, ça nous envoie loin ça. Waouh. Ça commence à envoyer les gens très loin, je trouve. Hein. Ouais, ouais, les experts sont prêts, super. Super, Albert. Des embrouilles ? Pas d'embrouilles. Tu recycles à 3. Ouais, pareil, pareil. Viens, tape là-dessus. Nous prend dans le bac. Oh, on met son coup de latte dans la bouche. C'était magnifique. C'était bon. On a beaucoup aimé. Hein. Ici à la rédaction. 3 pauvres outils de mort. Déjà, tu vas commencer par venir là. Tu vas te rapprocher du truc. Bah, tu nous récupères. Hein. Les 3 outils de mort qu'il y a à récupérer. Secours. Nous on pourra pas venir donc à la limite. Ouais, non, je voudrais que tu viennes là. Est-ce que tu peux nous checker ça? Ah, tu finiras forcément. Ah non, c'est bon. Ok, c'est fait. Ok. Ouais, ça pourrait se récupérer, mais c'est dangereux aussi. Pour l'instant, c'est pas très intéressant pour nous. Où est le danger? Ah, plus que 2 médicaments et tu pourras bouger d'ici. Hein, ta meilleure vie. Ah. Je sais plus si j'ai fait l'autre taré là. Ouais, il est fait. Tout le monde est déplacé, tout le monde est move. Ouais, les gens pas de maison. Hein. Ils ont vraiment fait les bras zéro d'abord. C'était vraiment. Ouais, ta gueule, rabie. C'était vraiment genre le truc important à faire. Ouais, parce qu'en même temps, c'est juste du bois qui manque. Hein. Que quoi? Hein? J'ai Joe la pâche. 4 de puissance et en gros c'est à peu près tout. Et récupère vite de la vie quoi. Ouais. Ouais, le truc c'est qu'il se déplace vite quoi. On a un mec qui cogne fort et qui se déplace vite. Je suis preneur. Si on... Si bouge ma gueule, excuse-moi. Viens, on va voir, viens voir par ici. Hein. Ah, il veut pas. Déplace-toi là. Ah, et puisqu'à chaque fois qu'on accepte quelqu'un, c'est vrai qu'on a ce genre de problème. Là, il n'y a plus rien à récup, ok. Bah, venez me récupérer ça, allez-y. Hein. Il y a du monde pour nettoyer, nettoyer. Hein. Vider les zones. Hein. Il y a ce qu'on vient, 33 sur 69 débris. Les experts sont déjà prêts, allez donc. T'as combien en récup? Recyclage 4, allez, vas-y. Ensemble, ça va être super. On va aller loin. À demain, c'est loin. Oui, vas-y, bouge.
objets. Notre scientifique. Combien on récup? 3. Ouais, tu peux passer là, prendre une fournée de médicaments, hein, vas-y. Et notre cogneur en chef. Il a juste observé là. Moi, je trouve quelqu'un de sympa à démolir, mais. Comment ça. Ça commence. Comment ça se fait rare, les connards à tabasser, hein. Plus que c'était, hein. Avant, il y avait des volontaires. Non, on s'emmerde. Hein. Non, c'est un peu triste, hein. C'est chiant de devoir attendre du bois, c'est quand même horrible. T'es obligé d'attendre du bois, c'est quand même. Viens récupérer le bois. C'est quoi le truc? Ah ouais, mais alors s'il faut que je commence à vous déplacer les uns après les autres parce qu'en fait vous n'êtes pas tous apparus en même temps, ça va être chiant. Sur 23, on rentre du bois, il y a quelqu'un au portail. Allez. Et il me donne une graine de cacahuète. Je l'ai déjà, hein. Vas-y, mais je te les donne, oh, ça me fait plaisir. Allez, 30 sur 45 heures. Faut y aller, hein. Non, on s'en fout quand vous serez tous dispo là, parce que là c'est chiant. Du coup, il tape à balle dans le bois. Ça, par contre, ça c'est cool. Intelligents, ils se sont dit, vas-y, on va taper fond dans le web. Ouais, quoi que, vas-y, garde-le comme ça pour l'instant, jusqu'à que. J'ai vidé un tas de bois, évidemment. Allez, on va déplacer maintenant le. C'est où? Là. On déplace là. Donc là, c'est la prof qui va falloir commencer à faire du bois. Ok. De bois ou du moins d'avancer. Figurez-vous que mon café est délicieusement froid. C'est dégueulasse. Comme toujours. On a l'habitude. Très bien. Enfin, très bien. Soit. Plutôt. Ouais, donc médicament, mais que ça t'empêche pas de venir ici. Spec. En 4. Voilà, très bien. Personne à cogner, la tristesse d'un monde. Oh, regarde, je suis sûr que par là il doit y avoir un mec ou deux à cogner là. Allez, viens voir par là. Je suis sûr qu'on va se trouver un type à enfoncer la bouche là. Bientôt à la maison, on a bientôt un supplément de planches indispensable, je rappelle. Indispensable que je rappelle. Je le rappelle indispensablement. Indispensable. Ah, j'ai pas assez de. En fait, j'en ai plein des composants machin, mais ils sont tous sur la map quoi. Camp de bûcheron terminé. Excellent. Excellent, ça, c'est pour la cuisine ça. Ah. On peut choisir ce qu'on se fait à manger. Ça, j'ai pas. C'est quoi ça? C'est des cacahuètes? Repas d'insectes? J'ai pas non plus. Fais des repas végétariens. Pas se faire des petits plats de poisson là. Une graine de cacahuète, on s'en fout. J'en ai. J'en ai des graines de cacahuètes. Casse-toi, dégage. Ça sert à rien.
quatre colons n'ont pas de maison, on a bien compris l'idée. Je pense qu'ils l'ont bien saisi aussi. Ouais. Dis-moi que t'as assez. Oui. Parfait. Alors j'en ai rien à foutre. Allez. Allez les gros, faut bâtir. Ils dorment tous par terre, tout, comme les vieux chiens de la casse. Sans maison, est fatigué, des pluies de météorites incoming. C'est la merde. C'est la merde finale. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ouais, j'essaie de me refaire un café à peu près chaud. J'ai vidé encore un tas. Je dirais bien que j'espère que c'est pas... Si, c'est le tas de planches. Le tas de planches a été niqué, direct. Déplacer la zone, est-ce qu'on a encore du wab? On a du wabit par ici, allez. Par contre là, on est dans les rushs, voilà, faut finir. Faut sortir du bûcheron, voilà, super. Donc le bûcheron sort du... nous sort un peu de bois, mais c'est pas exactement ce dont on a besoin. Nous, ce dont on a besoin, c'est un forestier pour replanter. Non, pas tout de suite. Au pire, on peut déplacer la zone. Enfin, peut-être d'ailleurs, je sais même pas. Mais qui dit, ouais, au pire, on peut déplacer la zone. Aucune idée, ça se trouve qu'on peut même pas. Super. Ouh. On va pas se faire scier. Allez, on adore ça. Ah ouais, faut que je t'achète tes machins. Vas-y, ferme-la. Matériel de construction insuffisant pour Siri. Ouais, je me doute. Faut que tu repartes. Ensuite, toi on avait dit tu cherches des embrouilles par là à peu près. Ouais, des embrouilles. Nice, on a trouvé des embrouilles. Excellent. Toi j'ai envie de dire, on est peut-être pas forcément non plus dans l'urgence de rusher la science. Ouais, si, là, si. Plus vite c'est fait, plus vite on l'a, plus vite on en parle plus quoi. Aïe. Ça fait beau. Ah, tu perds 40 PV d'un coup. Ouais, faut faire attention. Faut être vigilant. Attends, pendant que tu récupères ça, l'autre qui avance pas non plus, elle va aller ouvrir les autres. Juste du bois. Juste du bois, c'est juste bien. Hein. Ça a pas l'air comme ça, mais. Ça aura pas tout de suite, ok. J'attendais de voir la réponse. 4 en puissance de combat. Ouais, mais attends, je crois qu'on a un gros bras là à côté, pas très loin. Ouais. Du coup, j'y mettrai à 2. Avec Cogny à 2 dessus, ça va être bien. Salut au prochain tour, il est fini. Ce sera bien. Ce sera bon. On a des médicaments qui se baladent dans les rues et ouais, on a quelques composants, tout ça. Par contre, du coup, 35 composants, on s'est lâché comme il fallait. Très bien. Qu'est-ce que... On a rien, on est dans la merde. Déplacer la zone de travail. Ah, excellent. Ah, la masse de merde Wikia. Vas-y, nettoie la zone. Voilà. Bon courage. Ouais, j'accepte. Hein. Du coup, c'est ça, j'ai un nouveau gars qui va arriver. Un nouvel explorateur. Chiant. Ok. J'ai des technologies un peu. Hein. Agriculture protégée, petit plaisir, on s'en fout, c'est chiant. Recyclage de débris. Atelier de mécanique. Produit annexe du ferrailleur, les débris abandonnés sont utilisés et recèlent une grande valeur. Ceux qui savent les recycler, l'atelier de mécanique convertit des débris en pièces détachées. Ça nécessite de l'énergie, ça me chauffe pas, hein. Conservation du savoir, ça fait quoi? Il fait une bibliothèque et ça nécessite de l'énergie. Relâcher la pression.
salle de spectacle nécessite de l'énergie. Vous cassez tous les noms. Vraiment. Centre médical nécessite de mourir. Mourir. Allez mourir, vous me saoulez. Moi je veux pas. Prévision des catastrophes. Un radar. Je profite. On est bien à cette heure-là. Ouais, si vous êtes tous là en train de me saouler avec votre énergie, vous aurez rien. Vous continuerez à vivre dans la misère. Ah, donc voilà, c'est ça. On peut déplacer sa zone de travail pour lui dire, genre, gros, je veux que tu travailles un peu plus là. Tu vois, je coupe par là. Du coup, j'ai un forestier qui est en construction, je crois. Non, c'est une scierie. J'ai pas de forestier en construction. Ce qui serait bien. C'est qu'effectivement j'ai un petit forestier. Ah, on peut pas parce qu'il y a des il y a des cailloux. Un mortel ennemi, évidemment. Je vais t'adosser. Pas de raison. Ok, donc allons-y. Sors-le. Frappe-le dans la bouche très fort. Oh, il est souple sur les pattes arrière maintenant. Mais le site est clear. Ok, très bien. Formidable. Ensuite, les deux nazes. Il n'y a plus rien à prendre. Super. Bon, il y a ça à récupérer. Des embrouilles. Ok, bon, fallait s'en douter un petit peu. Hein. Faut se mentir. Ah, un truc à récupérer en 8 ans. Sorte. Fais un PV. Ah, j'ai pris la max à chaque fois. Il reste encore 242 de savoir là-dedans. Ouais, il reste. Championne en titre, ouais, je te verrais bien monter et aller me récupérer tout ça parce que les autres y récupèrent tellement plus lentement. Genre, toi, si je te prends, tu récupères 39 aussi, mais je vois pas la. Tu récupères 39 alors que toi, tu récupères pas 39. 32. Ah, mais parce que t'es obligé de parcourir encore de la distance, je sais pas, c'est chelou. Y a des gens un peu partout ici. Et ça paraît basse pour la nourriture. On n'a plus de bouffe. Genre. Genre. Genre, on n'a plus de bouffe. Voilà, les droits des enfants. Un couple s'avance vers vous et demande si la colonie a des règles précises concernant l'éducation des enfants. La mère pense que les enfants devraient aider aux tâches ménagères tandis que le père estime qu'ils sont trop jeunes et qu'ils devraient jouer toute la journée. Prévoir l'instruction des enfants. Vous êtes d'accord pour dire qu'il est important que, les enfants participent, mais vous ne pensez pas que les tâches ménagères soient la meilleure façon de le faire. Vous dites que vous allez réfléchir à une instruction qui leur permettrait d'apprendre à devenir responsable grâce à des petits travaux. Wouh ! J'ai fait une école ? Nice ! Merci. Youpi. 8 sur 8 ? Me dis pas que... Ah, da. Ou pas, j'ai combien de chiards? 11. Il faut deux écoles. Il faut deux écoles, bordel de merde. Bon, c'est plus de météorite, hein. Je pense qu'on se garde ça pour la fois prochaine. C'était Knarfan sur Comme d'habitude Gaming pour Surviving the Aftermath. A la prochaine, ciao.